Nous sommes à Sainte-Marie, zone de la Mare. Nous sommes une société de plats cuisinés traiteurs en agroalimentaire. Nous produisons actuellement des plats cuisinés. L'effectif actuel est de 13 personnes. L'impact de la crise a été assez violent pour nous car forcément nous sommes touchés par le Covid et les restaurants ont été fermés ou partiellement fermés. Nous avons subi de plein fouet. Malgré ça, ça nous a permis d'avoir d'autres clients et donc on a pu assurer en local, avec de la marchandise locale, une production et satisfaire ses clients. Le plan de France Relance nous a permis d'aller beaucoup plus vite que prévu sur notre projet. Actuellement, nous avons un local de 200 mètres carrés. Nous avons donc pris l'initiative d'agrandir et de déménager sur un site qui fait 700 mètres carrés de production. Donc le plan de France Relance nous a permis de voir plus grand, de se mécaniser et surtout de voir plus loin. Le nouvel outil va nous permettre justement donc d'être à la pointe de la technique, de pouvoir embaucher certainement vers milieu 2021 et 2022 entre 3 et 4 personnes et surtout de faire évoluer nos salariés internes sur des postes qui n'existaient pas avant. France Relance nous a permis d'avoir des machines compétitives, de productivité, d'aller plus loin dans nos recherches et puis nos futurs clients qu'on n'avait pas actuellement. Les démarches qu'on a dû présenter pour bénéficier de l'aide de l'État, c'est de présenter un projet réaliste, d'être à jour de ses cotisations patronales et salariales, forcément, d'avoir un projet innovateur, le travail de la matière première, local, forcément, rentre en ligne de compte. Avoir un prévisionnel, forcément, entre 3 et 5 ans. L'avenir. À La Réunion, on va être optimiste. C'est une petite île, mais qui avance et qui grandit. Et on essaye de suivre le mouvement en portant des projets, justement, innovateurs pour La Réunion.